J'ai finalement touché le néant de l'océan, l'abîme des
les fonds sans horizon ou l'errance de n'avoir rien terminé. Les factions fantasmées, des yeux rivés sur le spectacle où les marionnettes jouent le rôle de leurs habitants et non de ces scènes avancées sont bien les lois générales. Qui en sont les maîtres et les scribes? L'identité personnelle, chacun possède des personnes pour la remettre en question. Mais tous obéissent à ces lois, ou sans exception. Tout chacun est le maître de l'un et l'esclave de l'autre. Alors ce maître esclave et qui utilise son perte pouvoir sèche sur son proche subalterne tout le monde est afin tout le d'oublier monde son subalterne. La fanfare joue grâce unique à ses musiciens, mais on donne un bâton à celui qui est trop bête pour jouer du triangle. On le place unique devant le monde et il devient le chef de la fanfare. Unique. J'évolue dans un similaire sombre paysage que je ne connaissais pas nous auparavant, des êtres parfaits, mais à l'intérieur duquel j'avais déjà vécu. Selon une dure réalité seconde semblable à la première. La surface est je me surprends des fois à croire qu'un type avec une caméra va sortir de derrière le rideau et se mettre à crier. Surprise, c'était la caméra cachée. Un grand ensemble de milliers d'éléments similaires. A-t-il alité leur ego consommé, le un ego consumé et tous égaux consommés, marqués par le temps et inaction par le peu, leurs mots n'ont plus d'effet, leurs faits n'ont plus d'émaux, leurs mots sont défaits et les faits deviennent chemaux, démois en démaux, des cerveaux en sommeil. C'est-à-dire qu'il réunit toutes les qualités définies et requises, ne possède pas le moindre défaut, dont l'évolution est atteinte en stade final, dont l'état global est continu et complet, dont l'existence propre est dissimulée dans son environnement de vie, soit une absence complète d'influence sur ce dernier. On parle d'état de perfection pour ces éléments. Cet état de perfection est donc caractérisé par l'absence de défaut, qui n'entraîne aucune influence sur son environnement extérieur. Un système est quant à lui dit parfait quand ce dernier est composé d'éléments parfaits, c'est-à-dire d'éléments en état de perfection. Un exemple trivial consiste en un système nul, système uniquement composé d'éléments nuls, n'ayant aucune influence ni entre eux, ni sur l'ensemble du système. Retirer un élément nul de ce système permet toujours de conserver l'état nul de celui-ci. Tous ces éléments sont identiques et nuls, sans impact sur leur environnement extérieur. La perfection comme des pierres polies disposées sur le sol, sans aucun contact entre elles, des hommes de pierre dispersés. Je me suis accommodé de ce mode de vie et la solitude ne me pèse pas. Pas trop. Elle est quelquefois difficile, mais elle me permet de m'économiser. Je t'avoue que de rencontrer d'autres égarés dans mon genre ne me gênerait pas. Je vais continuer ma route, une route pavée de minéraux que je piétine avec mes chaussures.